un pop-up de 300-400 personnes en même temps qu'il y a un lancement en ligne. On est tous en train de rentrer parce que checker ça. Guys, on a envie de faire pipi. On a un pop-up qui commence. On a un ticket qui s'en vient. 575 $ d'amende. Pour moi, t'inquiète, définir un truc, tu te réveilles. Non, ça va pas Où tu te réveilles? Bon, ce fio, il est parti. Oh. T. Martin. Vous avez acheté un déjeuner, fait que j'ai bien hâte de voir, il va revenir avec quoi? DeAndré, Double D, whatever. Pense qu'il a acheté des beignes. Double D, whatever. Ben non. Elle mange jamais de beignes, ce gars-là. Stop the cow! Impossible. T'as acheté une boîte de beignes à 9h le matin. Sophie a le goût d'un petit beigne, fait qu'on va y choisir un petit beigne. On va y aller avec le plus intense pour commencer, le crème boston. Tiens, Sophie. Yum! Ah non, c'est pas un crème boston? Un boston à l'érable. Ok, désolé. On prend des beignes. Parce que vous devez savoir que pour sortir avec Sophie, le premier critère, c'est de connaître ses beignes et d'être une fanatique des beignes. Fait que si vous pensez pas ce critère-là, ben... Qu'est-ce que tu veux dire, sa blonde? Il y en a du une. Il a changé bientôt. Le petit crack. Monsieur David, de respect, c'est trop bien. Et le nom de moi. Ah non, shit. On arrive à la pesée. Pensez-vous qu'on est trop lourd? Non, il est pas assez gros. Si tu y vas pas, c'est quoi? Il t'envoie un camion pour te genre. C'est sûr qu'il te regarde et te dit attends, qu'est-ce que tu fais? Non, pour vrai? Ouais. Impossible. Mais pourquoi faut aller sur le côté? Tu vas faire une fouille? Faire une caméra cachée. Bienvenue à l'épisode de la caméra cachée. Ici, on découvre comment marche le bébé. Bon, là, le problème, c'est que dans le fond, quand on utilise le camion plus de 14 jours, on est supposé être inscrit à la Société des Transports. Puis nous, on l'a pour 15 jours. Fait que dans le fond, là, c'est soit qu'on a une amende de 500 $ qu'il aurait fallu s'inscrire avant, ça coûtait 75 $, mais la compagnie de location ne l'a jamais dit. On sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, là, il est parti en dedans, puis il va revenir. Moi, je dis comme dit André, on y offre des boxeurs, puis c'est ça. Je t'en ai des. L'année prochaine, ça veut dire qu'il faut prendre deux plus petites autos à la place. Au pire, on suit à 4 autos toutes taguées. Non, parce qu'il va être encore plus gros l'année prochaine. Mon problème, là, c'est qu'il faut que je pisse. Je me dis, si je sors, puis je pisse dans le bois, je vais avoir un autre ticket de 500. C'est pas pour se plaindre, mais en ce moment, on n'a pas mangé. Fait ultra chaud parce que la climatique fonctionne pas dans le camion. On a envie de faire pipi, on a un ticket qui s'en vient, on a un pop-up qui commence. J'ai internet avec toi, des fois t'es super gentil, t'es vraiment une belle personne, vraiment très charmante. Puis d'autres fois, comme aujourd'hui, etc. et ce matin, très stressante. Très gentille, mais très stressante. Ok, moi je suis allée aux toilettes, fait que juste on a-tu un ticket? Conclusion de l'histoire. On a pas de ticket. Je pense que le chef, il était bien gentil. Comment ça, on a pas eu de ticket? Plein de raisons, aka on est juste nuls, fait qu'il y a eu pitié de nous. C'est très YouTuber là, comme réponse. Damn! La vraie raison, c'est qu'on était sur la coche, le coup, tout ça, ronde d'inspection. La seule affaire, c'est que quand tu utilises des fins commerciales, plus que 14 jours, ton camion soit inscrit au truc des transports. Mais là, nous, c'était une location supposément de 14 jours. Mais là, la compagnie de location a loué pendant 15 jours parce qu'on aurait fait le soir. Fait que ça fait en sorte qu'on dépasse les 14 jours, donc on aurait dû être inscrit à la commission de transport de notre camion. Ce qui n'est pas fait, puis on aurait dû hériter de 575 $ d'amende. Tu sais, épargner ça, t'es bien, puis tu as juste rassuré que les autres trucs étaient bien faits, puis il faut juste bien faire notre logbook et tout ça. Puis il nous a donné exemption pour le reste de notre voyage, donc peu importe la pesée qu'on va, on va être correct pour le reste. Ah, nice! Mais honnêtement, on a eu peur parce qu'on se disait, imagine qu'il saisit le camion, dans le début de tournée, tout le stock est dans le camion, on fait quoi, genre? La tournée est annulée, tu sais? Mais là, finalement, guys, merci à la personne routière qui nous a aidés. Et on continue notre chemin, on s'en va à Chipisso. Et là, guys, je vous montre l'intérieur parce que vous comprenez pas, on pouvait pas faire attendre le monde.
à l'extérieur fait genre 50 degrés, je suis en train d'air, fait que tout le monde attend à l'intérieur. Ça va? Comment ça y est, tout? Ok guys, péripétie, Chicoutimi, il y avait tellement de monde, là, c'était la furie. On est tous en train de rentrer parce que, checker ça, c'est de la pluie. Qui s'en vient, il y a full de vent. Fait qu'on est comme, on peut pas mettre les sous-vêtements à l'eau. Fait qu'on est en train de tout rentrer à l'intérieur. Fait qu'on est en train de faire un petit clean-up. C'est genre dangerous moment parce que si il pleut sur les sous-vêtements, it's not worth it. Ok guys, c'est la map trip. Checker ça, on est tous rentrés. C'est l'apocalypse, ça vend la pluie. Colin! Moins que souhaiter qu'il fasse beau tout le long de la tournée comme l'année passée, ça se donne pas. Fait que c'est ça. Fait que là, on a libéré l'espace. Puis là, regardez ça, je vous montre la température parce que ça sent bien. Check it, guys! Ça regarde pas bien, là. Qu'on soit des petites gouttelettes, puis on a peur que ça tombe one shot. Fait qu'on s'est dit qu'il faut tout rentrer à l'intérieur. Mais au moins, sincèrement, je suis timide. Alex est une scène parce qu'il fait tout ça bien, là. On a tout rentré en 3 secondes et qu'on fait. Regardez, apocalypse à l'intérieur. Apocalypse. Guys, quand je vous disais qu'il allait pleuvoir, là. It's raining again! Fait qu'on est tout à l'intérieur. Ça, c'est les problématiques de la tournée, fait que you never know. The temperature, you just never know. Guys, ça a été insane. Il y a eu genre 300 personnes, si c'est pas 400 personnes, au pop-up de Chicoutimi. Pour vrai, c'est incroyable. On va être de retour. C'est juste que ça va être honnête, la température, c'est sûr que c'est 55 degrés ou un méga rage juste après. C'est quand même intense, mais sinon. La gauche. Caroline, c'est le fun de faire des tournées de même. C'est vraiment demandant. Hey, on a géré aujourd'hui un pop-up de 300-400 personnes en même temps qu'il y a un lancement en ligne. On en gère des affaires, nous. Hey, on en gère. C'est intense. Guys! On vient d'arriver à la Malbaie pour notre troisième pop-up. Vanny vient de faire un dégât dans le jeu. J'ai fait plein de fromage, une traite de fromage. Donc, avec cette température-là, j'ai bien hâte de voir ça va sortir. Wow! C'est dégueulasse. Donc, on arrive dans pas long. On va monter le setup. J'espère qu'aujourd'hui, il va pas pleuvoir. Demain, c'est le bec. C'est quoi la température en ce moment? Honnêtement, je pense que c'est les journées les plus chaudes de l'été et même depuis 3 étés. Ça a fait sens. Ouais, c'est vrai que ça va. Bon, fait qu'il fait beau, on est à Charlevoix. Puis là, on est en train de tout setter up. Fait que je vous montre ça dans pas long. Il y a Kier juste ici. Yeah! Là, on commence déjà à avoir un peu de monde, mais ça l'ouvre dans 30 minutes. Donc, regardez, je vous montre le setup live. Fait qu'ici, c'est la caisse. J'en ai toutes les bagues de chaque grandeur juste ici. Fait qu'il y a extra small, il y a small, il y a medium. On a vraiment du stock. La belle pancarte jump. Puis ici, il y a le jeu de la roue où que chaque personne a la chance de gagner un de ces affaires-là. C'est vraiment nice pour vrai. Pis notre grosse dame. Les gars travaillent fort sur le même entier. Va, ça va? Yay! Comment tu te sens aujourd'hui? Bien, on est prêt de feu d'avance. Fait que tout va bien, il fait juste chaud. Ouais, hein? Encore, ouais. Est-ce que Bidon, il veut bien? Oui, il est bien. Il est chaud, Bidon. Bidon chaud. Vous avez aucune idée à quel point on a faim. On a déjeuné à matin et d'habitude, là, il est genre 9h30. J'avoue, mais il est revenu. Ouais, on commande l'ail. Est-ce qu'on sépare l'ail? Comment c'est pareil, c'est pareil. On les compte, ça en prend un peu plus que moi. Demande à ton chef. Oui, c'est un il reste juste moi, mais la partie de moi, je l'ai vu à moi seule. Il est présentement 7h du matin, puis là on est en direction de Québec. Et là, évidemment, Sophie il avait absolument besoin de s'arrêter sur la route pour aller chercher ses fameux beignes. Fait que on est obligé d'aller chercher ça, sinon il a dit qu'elle a arrêté de conduire pour le restant du chemin. Fait que on se revoit à l'intérieur du temple. Oh.
on arrive dans comme 20 minutes à Québec, puis là on s'est fait dire par la boutique là-bas qu'il y avait déjà des gens qui attendaient en line-up de setup au juste dans comme 2 heures. Puis là, le problème, c'est qu'il mouille à Sio dehors. T'sais, les gens attendent dehors, fait qu'on va demander s'ils pouvaient rester en dedans au moins attendre pour pas qu'ils soient tous mouillés. On espère juste que la pluie va arrêter d'ici 2 heures parce que on a juste une tente. Les sous-vêtements, ils débordent la tente, fait qu'on veut pas les sous-vêtements tous mouillés à l'extérieur. Fait que c'est pas fou, là. Mais techniquement, il paraît que ça arrête de mouiller dans comme 1 heure. Guys, on vient d'arriver à Québec et puis là, on est en train de monter le setup. Il y a full plu, on est genre aïe aïe, ok, est-ce que le monde va se présenter? Mais ça a l'air que oui! Il y a déjà un petit chill 2 heures d'avance. Mais c'est ça. Fait que là, regardez, on est en train de setter, mais là, on a peur parce qu'il pleut. Fait que là, on est comme, ok, on commence-tu ou on commence pas? Mais ça s'enligne bien, ça s'enligne bien. Là, il y a Vainé ici, toujours enceinte, ben oui. Il sert toujours à rien aussi. On commence à être prêts, guys. Je vous montre le kiosque live de Québec parce qu'il est quand même nice. Donc, on a Vainé et moi ici, très poupounés comparé à maintenant. Regarde-moi, même affaire. On est mariés. Fait que ça, c'est genre notre petit setup. C'est comme un labyrinthe, c'est même le fun. C'est un jeu, dans le fond. Ok, guys, on vous a parlé de l'addiction. Ben, j'ai tout le temps la misère à dire ce mot-là. De Sofio, le chum de Vainé. Donc, guys, il y a un stan à Vainé. C'est quoi les chances? C'est quoi les... Mon chum va capoter, genre, il va pleurer, je pense, il va pleurer. C'est maintenant, jamais. Ils sont avec la table, on peut avec la table. C'est un spécialiste des beignes. VIP, là. Directement juste pour Sofio. Juste pour Sofio. Sofio le maître. Le maître des beignes. Cadeau. Il y a une succursale à Montréal en plus. Là. Ouais. Là, une succursale à Québec. Quelle rue? À Montréal. À vous de décider. Oh. À vous de décider. Yes, merci. Ça fait plaisir. Good job. Oh, guys. On est à l'hôtel. Net. Quatrième pop-up. Mon Dieu, j'en parle les mots et le temps. Quatrième pop-up. Il en reste 8, 8 de go. Le Vainé est en train de prendre son pouls. Dis que j'ai le bout dans l'air. Non, on voit pas. Okay. On est si dead. Ouais, mais on est bien là. J'ai juste goût de faire. C'est même pas moi qui est enceinte pis c'est moi qui ai envie de dormir. Ah, mais je te suis, hein. Oh ouais. Non, mais... Je te suis. Il est présentement 8h le matin. Hey, désolée, je fais tellement dur le matin. Je suis brûlée, j'ai plus de voix. Là, on part bientôt en route pour aller à notre autre papa. Et là, il fallait que je vous montre ça. Sofio décide d'aller courir ce matin pour essayer de brûler ses beignes. Sofio, il court, en fait, il court vraiment beaucoup. Là, il court genre legit à tous les jours à la maison. Puis là, il essaie d'aller courir ici. Puis il y a un gym à notre hôtel, fait qu'il est en train de courir. Comment ça se passe, Sofio? Sincèrement, il est vraiment bon parce que j'aurais pas le courage de faire ça. Pendant la tournée, c'est trop intense. Mais proud à Sofio, fait que évidemment, à guess qu'il va manger du beignes aujourd'hui. Fait que je vais vous laisser parce qu'il faut clairement que j'aille me préparer. On part en auto pour la tournée dans quelques minutes. Comme vous pouvez voir, il y a le lait. Comme vous pouvez voir, ben, je suis pas maquillée. Fait que ça, c'est ma routine juste avant le pop-up. Essayer d'avoir l'air de quelque chose. T'es-tu en train de dire que t'es pas belle naturelle? T'es en train de dire que je suis. Fait que c'est ça, fait que je me maquille, je regarde le monde, je me dis je me maquille plus. Tu regardes le monde? Je me dis il y a une grosse ville, je me maquille encore plus. Hey Jess! Ouais. C'est rare qu'on te voit travailler. D'ailleurs.
au pop-up de Beauce, guys, et c'est un festival. On va aller voir Valinée voir comment qu'elle va, elle, parce qu'elle est dans rush de paiement. Moi, j'ai passé mon rush, moi, ça va bien. Qui vend ton rush? Je pense bien. Ça se passe? Marché. Une machine. Oups. Ça doit être à moi, ça, pour ça. T'as finalement ton poké, ton rire. La vie de la riche. Sophio, rapping, toujours pop, plus confortable. Montre-moi comment tu fais ça. Guys, on vient d'arriver à notre hôtel, genre la tête firm mind. On est complètement brûlé. C'est genre, on est même pas encore à la moitié, là, on est au cinquième pop-up. À chaque fois, Jess, elle dit qu'il en reste moins que 9. C'est ça. Pardon? Hey, on en avait 12, c'est 12 jours non-stop, guys. Au moins, on conduit pas, là. Genre, props à Sophio qui conduit, là. Je sais pas comment il file. Mais bon, regarde, checkez ça parce que notre hôtel, par exemple, est insane. C'est hôtel de domaine. Je me trompe pas, à Telford Mine, mais genre, on s'attendait zéro à ça. On va savoir de quoi. On est arrivé, on avait une bouteille de mousseux, des macarons. C'est sûr que je les mange toutes, je m'en fous, Vainé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Wow, j'adore. Regardez ça, la chambre et la salle de bain. Ah, oh, calme. Shotgunner, puis l'eau. Je m'en fous, bye. Partage, partage. Non, t'en as un, t'en as un. Mais tu peux même pas l'avoir. Oh, ça veut dire que t'es à moi tout seul, je me saoule. Bye. Guys, je viens de me réveiller, puis je suis comme, bon, ok, on va ouvrir les rideaux, tu sais. Ça fait genre 12 heures qu'on dort parce qu'on est complètement dead. On ouvre les rideaux, puis checker la vue, genre checker qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Je suis capable, je vais venir juste pour l'hôtel, sincèrement, checker ça. T'as une piscine juste là. T'as des spas là. Là, ça paraît pas, mais pour vrai, l'eau est genre turquoise. T'as des paddleboards, genre kayak là-bas. T'as des jeux gonflables là-bas. T'as genre une mini-plage, genre what the... C'est tellement beau, là. Là-bas, je pense qu'ils continuent, puis ils ont peut-être même leur propre spa. C'est trop beau, là. Je capote raide. Wow, check ça. Insane, insane.